Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos uma surra de expressões idiomáticas que foram retiradas do Veda, que tivemos em abril, onde eu te apresentei 30 expressões idiomáticas com diálogos e historinhas para contextualizar. E este vídeo aqui é ideal para você que está preso no trânsito, quer matar aquela horinha. Para você que está na academia, na esteira e quer estudar enquanto isso, esse vídeo é para você, tem mais de uma hora, então aproveite, bons estudos e vamos começar! Mon ami Alain a beaucoup de chance. Il est grand, musclé et il a un physique agréable. Il plaît beaucoup aux jeunes filles. En fait, Alain est un vrai bourreau des cœurs. Je le vois souvent se promener en ville avec de jolies filles et tout le monde dit qu'il a beaucoup de charme. Il séduit toutes les femmes. Então aqui nós temos, ó, mon ami Alain, meu amigo Alain, a beaucoup de chance. Ele tem muita sorte. A beaucoup de chance. Il est grand, ele é alto, musclé, musculoso, et il a un physique agréable. Ele tem um físico, um porte físico agradável. Il plaît beaucoup aux jeunes filles. Então, ele lhes agrada muito. As jovens, as moças. Então, as moças gostam muito dele. É que a gente usa o verbo plaire. En fait, de fato, Alain est un vrai bourreau de cœur. O Alain é um verdadeiro bourreau de cœur. Ele é um algoz de corações, ou seja, ele mata os corações. E aqui embaixo a gente vai explicar o que significa isso, ó. Je le vois souvent se promener en ville. Eu o vejo frequentemente passear na cidade. Avec de jolies filles, com moças bonitas, et tout le monde dit, e todo mundo diz, qu'il a beaucoup de charme, que ele tem muito charme. Então, il séduit toutes les femmes, ele seduz todas as mulheres, ou seja, ele é um casanova, é um sedutor, um homem muito atraente. Então, o Alain é un bourreau de cœur, d'accord? Agora vamos escutar novamente. Mon ami Alain a beaucoup de chance. Il est grand, musclé et il a un physique agréable. Il plaît beaucoup aux jeunes filles. En fait, Alain est un vrai bourreau des cœurs. Je le vois souvent se promener en ville avec de jolies filles et tout le monde dit qu'il a beaucoup de charme. Il séduit toutes les femmes. Pierre était en train de lire son journal quand on a frappé à la porte. C'était un représentant de la Croix-Rouge qui collectait des vêtements pour les malheureux d'Afrique. Pierre, sans hésiter, a donné des chemises et une veste. Ensuite, il est allé se promener en ville et il a rencontré un pauvre homme qui demandait la charité. Pierre lui a donné 10 euros. Dans la soirée, le voisin de Pierre est venu le voir et lui a expliqué que sa voiture ne marchait pas. Pierre lui a aussitôt proposé de lui prêter sa propre voiture pour aller au travail le lendemain. Pierre a vraiment le cœur sur la main. C'est un homme généreux, toujours prêt à aider les autres. Então, temos aqui, ó, Pierre était en train de lire son journal. Pierre estava lendo, então, être en train de é estar no gerúndio, tá? Estava lendo o seu jornal quand on a frappé à la porte. Aqui eu vou juntar, ó, quand on a frappé, quando bateram na porta. C'était un représentant, era um representante de la Croix-Rouge, da Cruz Vermelha, que collectait des vêtements, que estava recolhendo roupas, pour les malheureux d'Afrique, para os infelizes, para os necessitados da África. Pierre, sans hésiter, a donné des chemises et une veste. Deu camisas e um colete. Ensuite, depois, il est allé se promener en ville. Ele foi passear na cidade. Et il a rencontré un pauvre homme. Ele encontrou um pobre homem qui demandait la charité, que pedia esmola, que pedia caridade. Pierre lui a donné 10 euros. Então, Pierre lhe, que é o homem, né? Deu 10 euros. Dans la soirée, à noite, le voisin de Pierre est venu le voir. O vizinho do Pierre veio lhe ver, ou veio lhe visitar, lhe visitou. Et lui a expliqué que sa voiture ne marchait pas. Il lhe explicou que o seu carro não funcionava, não estava pegando. Ó, voiture feminino em francês, tá?
Pierre lui a aussitôt proposé de lui prêter sa propre voiture. O Pierre imediatamente lhe propôs de emprestar seu próprio carro pour aller au travail le lendemain, para ir trabalhar no outro dia, le lendemain. Pierre a vraiment le cœur sur la main. Ele tem realmente o coração na mão. C'est un homme généreux, toujours prêt à aider les autres. Então, é um homem generoso, sempre pronto a ajudar as outras pessoas. Então, avoir le cœur sur la main é ser uma pessoa generosa. D'accord? Então, nós vamos escutar e ler de novo esse textinho. Pierre était en train de lire son journal quand on a frappé à la porte. C'était un représentant de la Croix-Rouge qui collectait des vêtements pour les malheureux d'Afrique. Pierre, sans hésiter, a donné des chemises et une veste. Ensuite, il est allé se promener en ville et il a rencontré un pauvre homme qui demandait la charité. Pierre lui a donné 10 euros. Dans la soirée, le voisin de Pierre est venu le voir et lui a expliqué que sa voiture ne marchait pas. Pierre lui a aussitôt proposé de lui prêter sa propre voiture pour aller au travail le lendemain. Pierre a vraiment le cœur sur la main. C'est un homme généreux, toujours prêt à aider les autres. J'ai croisé Sophie Duchemin dans la rue ce matin et elle ne m'a pas dit bonjour. Oui, elle est devenue très distante depuis quelque temps. C'est à cause de ce récent article de journal qui dit qu'elle est la meilleure élève de toutes les écoles de la ville. J'avais remarqué. Elle est très froide avec ses anciennes amies. Exactement. Maintenant, elle se croit sortie de la cuisse de Jupiter. Oui, elle pense qu'elle est supérieure à tout le monde. Et elle a une attitude très désagréable envers les autres. Aqui nós temos A e B conversando. Então, o A diz assim, ó. J'ai croisé Sophie Duchemin. Então, eu cruzei, eu trombei, eu encontrei por acaso a Sophie Duchemin dans la rue, na rua, ce matin, hoje de manhã. Et elle ne m'a pas dit bonjour. E ela não me disse oi aqui. Não precisa ser exatamente bom dia, tá? Oui, a outra concorda lá. Elle est devenue très distante. Ela ficou muito distante depuis quelque temps. Há um tempo, há um certo tempo. C'est à cause de ce récent article de journal. É por causa desse recente artigo de jornal que diz que elle est la meilleure élève de toutes les écoles de la ville. Que ela é a melhor aluna de todas as escolas da cidade. J'avais remarqué. Eu tinha percebido. Elle est très froide avec ses anciennes amies. Então, ela é muito fria com as suas antigas amigas. Exactement. Maintenant, agora, elle se croit sortie de la cuisse de Jupiter. Então, ela está se achando a última bolacha do pacote. Ela está insuportável. Ela está arrogante. Então, ela se acredita, ela se acha saída da coxa do Júpiter. Elle pense qu'elle est supérieure à tout le monde. Ela pensa que ela é superior a todo mundo. E elle a une attitude très désagréable envers les autres. Ela tem uma atitude muito desagradável com relação às outras pessoas. Papa, s'il te plaît, j'ai un exercice de maths très difficile à faire pour demain. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Montre-moi ce que tu as déjà fait. En réalité, je n'ai rien écrit. Et tu penses que je vais faire l'exercice à ta place. Alors laisse-moi te dire que tu te mets le doigt dans l'œil. Mais écoute, papa... Arrête. Je veux bien t'aider, mais si tu crois vraiment que je veux tout faire et que tu vas simplement me regarder, tu te trompes. D'accord, papa. Je te promets que je vais essayer de trouver la solution de l'exercice moi-même. Papa, s'il te plaît, por favor... J'ai un exercice de maths, tem um exercício de matemática, très difficile à faire pour demain. Muito difícil de fazer, ó. Difícil de, mais o verbo em francês é difficile à. Difficile à faire pour demain, para amanhã. Est-ce que tu peux m'aider? Você pode me ajudar? Bien sûr, claro. Montre-moi ce que tu as déjà fait. Me mostra o que você já fez. En réalité, na verdade, je n'ai rien écrit. Eu não escrevi nada. Olha a posição do rien aqui, entre o avoir e o participe passado. Et tu penses que je vais faire l'exercice à ta place? E você acha que eu vou fazer o exercício no seu lugar? Alors,
Laisse-moi te dire que... Então, deixa eu te falar que tu te mets le doigt dans l'œil. Você está metendo o dedo no olho. Mais écoute, papa. Mas escute, papai. Arrête. Para. Je veux bien t'aider. Eu quero te ajudar. Mais si tu crois vraiment que je vais tout faire... Mas se você realmente acha que eu vou fazer tudo... Olha só. Je vais tout faire. Olha a posição do tu. E que tu vas simplement me regarder, tu te trompes. E que você vai simplesmente me olhar... Você está enganado. Então, tu te mets le doigt dans l'œil significa que você está redondamente enganado. D'accord, papá? Tudo bem, papai? Je te promets que je vais essayer de trouver la solution de l'exercice moi-même. Eu te prometo que eu vou tentar achar a solução do exercício eu mesmo, tá? Então, ó, je vais essayer de. Olha as preposições aqui, ó. Difficile à, essayer de. D'accord? Então, presta atenção nas preposições também. Vamos escutar e ler esse diálogo de novo. Papa, s'il te plaît, j'ai un exercice de maths très difficile à faire pour demain. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. Montre-moi ce que tu as déjà fait. En réalité, je n'ai rien écrit. Et tu penses que je vais faire l'exercice à ta place. Alors laisse-moi te dire que tu te mets le doigt dans l'œil. Mais écoute, papa. Arrête. Je veux bien t'aider, mais si tu crois vraiment que je veux tout faire et que tu vas simplement me regarder, tu te trompes. D'accord, papa. Je te promets que je vais essayer de trouver la solution de l'exercice moi-même. Jacques est dessinateur de publicité. Il devait donner son dernier dessin à l'agence ce soir, mais il n'a pas pu travailler cet après-midi. Sa sœur est passée à son bureau. Et elle lui a tenu la jambe pendant plusieurs heures. Jacques était furieux car sa sœur n'a pas arrêté de parler et de raconter des choses sans intérêt. Elle l'a ainsi empêché de finir son travail. Então, nós temos, Jacques é dessinateur, ele é designer de publicidade, de publicité. Il devait donner son dernier dessin à l'agence ce soir. Ele tinha que entregar o seu último design, seu último desenho para a agência essa noite. Mais il n'a pas pu travailler cet après-midi. Mas ele não pôde, ele não conseguiu trabalhar esta tarde. Por quê? Sa sœur est passée à son bureau. A irmã dele passou lá no escritório dele e elle lui a tenu la jambe pendant plusieurs heures. E ela segurou a perna dele por algumas horas. A gente vai descobrir o que é isso aqui. Então, já que até furieux, está furioso, car, pois, ó, mais elaboradinho aqui. Sa sœur n'a pas arrêté de parler. Ela não parou de falar e de raconter des choses sans intérêt. E de contar coisas sem interesse, que não eram interessantes. Então, tenir la jambe à quelqu'un é você ficar falando continuamente sobre coisas que não têm interesse, sobre coisas chatinhas, d'accord? Então, elle l'a ainsi empêché de finir son travail. Então, ela, assim, o impediu de terminar o seu trabalho. Então, tenir la jambe à quelqu'un é você ficar enchendo a pessoa com coisas que não têm interesse. Ok, vamos escutar de novo. Jacques est dessinateur de publicité. Il devait donner son dernier dessin à l'agence ce soir, mais il n'a pas pu travailler cet après-midi. Sa sœur est passée à son bureau et elle lui a tenu la jambe pendant plusieurs heures. Jacques était furieux car sa sœur n'a pas arrêté de parler et de raconter des choses sans intérêt. Elle l'a ainsi empêché de finir son travail. Chérie, il fait beau aujourd'hui et l'herbe a poussé. Il est temps de la couper. Oui. Mais je suis en vacances la semaine prochaine. Je le ferai à ce moment-là. Et tu te rappelles que la porte du jardin est cassée depuis 2 mois. Tu m'as promis de la réparer. D'accord. Je m'en occuperai demain. Et tu dois aussi conduire les enfants à la piscine. Pas de problème, j'irai dans 1 heure ou 2. Chérie, tu exagères. Tu as vraiment un poil dans la main. Non, mais je n'aime pas improviser et... Menteur, ne cherche pas d'excuses. Tu es simplement très paresseux. Então, nós temos, chéri, querido, il fait beau aujourd'hui. Então, o tempo está bom hoje. Et l'herbe a poussé. E a grama cresceu. Il est temps de la couper. É hora de cortar a grama, l'herbe.
Oui. Mas je suis en vacances la semaine prochaine. Mas eu estou de férias a semana que vem. Je le ferai à ce moment-là. Eu vou fazer isso nesse momento, quando eu estiver de férias semana que vem. Et tu te rappelles que la porte du jardin est cassée depuis 2 mois? E você se lembra que a porta do jardim está quebrada faz 2 meses? Tu m'as promis de la réparer. Você prometeu para mim consertá-la. D'accord, je m'en occuperai demain. Eu vou cuidar disso amanhã. Et tu dois aussi conduire les enfants à la piscine. Você também tem que levar as crianças à piscina. Pas de problème, não tem problema. J'irai dans 1 heure ou 2. Eu vou em 1 hora ou 2, daqui 1 hora ou 2 horas. Chérie, tu exagères, você está exagerando. Tu as vraiment un poil dans la main. Você tem um pelo na mão. Non, mais je n'aime pas improviser. Ah, mas eu não gosto de improvisar e ela perde a paciência. Menteur, mentiroso. Ne cherche pas d'excuses. Não procure desculpas, não venha com desculpas. Tu es simplement très paresseux. Você é simplesmente muito preguiçoso. Então, avoir un poil de la main é ter muita preguiça, ser muito preguiçoso. Vamos escutar e ler novamente esse diálogo. Chérie, il fait beau aujourd'hui et l'herbe a poussé. Il est temps de la couper. Oui. Mais je suis en vacances la semaine prochaine. Je le ferai à ce moment-là. Et tu te rappelles que la porte du jardin est cassée depuis 2 mois. Tu m'as promis de la réparer. D'accord. Je m'en occuperai demain. Et tu dois aussi conduire les enfants à la piscine. Pas de problème, j'irai dans 1 heure ou 2. Chérie, tu exagères. Tu as vraiment un poil dans la main. Non, mais je n'aime pas improviser et... Menteur, ne cherche pas d'excuses. Tu es simplement très paresseux. Bonjour, je viens chercher ma télévision. Est-ce qu'elle est réparée? Non, pas encore. Voyez-vous, tout avait bien commencé, mais je suis tombé sur un os. C'est un vieux modèle de télé que je connais mal. Mais vous m'aviez dit de venir aujourd'hui pour la reprendre. Vous m'aviez promis qu'elle serait prête. Je sais, mais j'ai rencontré une difficulté inattendue. Revenez demain. Olha só, nós estamos numa loja, né? Então, bonjour, je viens chercher, eu venho buscar ma télévision. Est-ce qu'elle est réparée? Ela está consertada, está pronta? Non, pas encore. Ainda não. Voyez-vous, veja bem. Tout avait bien commencé. Tudo tinha começado bem. Olha o bien onde que vai entre o haver e o commencer, entre o avoir e o participe passado. Mais je suis tombé sur un os. Mas eu caí em cima de um osso. C'est un vieux modèle de télé que je connais mal. É um modelo velho de televisão que eu não conheço bem. Mais vous m'aviez dit de venir aujourd'hui pour la reprendre. Mas você tinha me dito de vir hoje para pegá-la. Vous m'avez promis qu'elle serait prête. Você me prometeu que ela estaria pronta. Je sais, mais je rencontrais une difficulté inattendue. Olha só, então, tomber sur un os é encontrar uma dificuldade inesperada. Você não sabia que ia acontecer. Mais je rencontrais une difficulté inattendue. Revenez demain. Volte amanhã, tá? Então, tomber sur un os é você encontrar uma dificuldade inesperada, alguma coisa que você tem que resolver na hora. Vamos escutar o diálogo de novo. Bonjour, je viens chercher ma télévision. Est-ce qu'elle est réparée? Non, pas encore. Voyez-vous, tout avait bien commencé, mais je suis tombé sur un os. C'est un vieux modèle de télé que je connais mal. Mais vous m'aviez dit de venir aujourd'hui pour la reprendre. Vous m'aviez promis qu'elle serait prête. Je sais, mais j'ai rencontré une difficulté inattendue. Revenez demain. Donc, nous sommes partis en vacances à Nice avec mon chien et ma belle-mère. La voiture était trop chargée, alors nous avons laissé une valise à la maison. Et sur la route, il faisait très chaud et nous nous sommes arrêtés près de Dijon pour boire de l'eau dans un café. Mais c'était très cher et en plus, le serveur n'était pas aimable. Alors le chien a commencé à... Arrête! Tu me casses les pieds! Ton histoire n'est pas du tout intéressante. Et en plus, tu la racontes très mal. Vraiment, tu es ennuyeux.
Nous sommes partis en vacances, nós saímos de férias, à Nice, avec mon chien et ma belle-mère, com o cachorro dele e com a sogra. La voiture était trop chargée, estava muito carregada, então aqui é um exagero. Alors nous avons laissé une valise à la maison. Então nós deixamos uma mala em casa. Et sur la route, e na estrada, il faisait très chaud, fazia muito calor. Et nous nous sommes arrêtés, e nós paramos, près de Dijon, perto de Dijon, pour boire de l'eau dans un café, para beber água numa lanchonete. Mais c'était très cher et en plus. Mas era muito caro e além disso, le serveur, o garçon, n'était pas aimable. Não era muito amável, não era muito simpático. Alors, le chien a commencé à... Então, o cachorro começou a... Ela disse, arrête, para. Tu me casses les pieds. Você quebra meus pés. Vamos ver o que isso significa. Ton histoire n'est pas du tout intéressante. Não é interessante de jeito nenhum. Et en plus, ó, de novo. E além disso, tu la racontes très mal. Você está contando essa história muito mal. Vraiment, tu es ennuyeux. Você é chato. Então, casser les pieds, aquele can, significa você entediar alguém. Você só fala coisas chatas que a pessoa vai ficando entediada. Então, casser les pieds à aquele can. D'accord? Vamos escutar de novo o diálogo. E você sabe que você pode ver o texto e o áudio lá no blog e também se juntar no nosso grupo do WhatsApp. Vamos escutar e ler de novo esse diálogo. Donc, nous sommes partis en vacances à Nice avec mon chien et ma belle-mère. La voiture était trop chargée, alors nous avons laissé une valise à la maison. Et sur la route, il faisait très chaud et nous nous sommes arrêtés près de Dijon pour boire de l'eau dans un café. Mais c'était très cher. Et en plus, le serveur n'était pas aimable. Alors le chien a commencé à... Arrête! Tu me casses les pieds! Ton histoire n'est pas du tout intéressante. Et en plus, tu la racontes très mal. Vraiment, tu es ennuyeux. Bonsoir, chérie. Tu as l'air épuisé. Oui. J'ai eu une journée très fatigante au bureau, avec beaucoup d'activités et de nombreux problèmes à résoudre. Nous avons eu une longue réunion le matin et je n'ai pas eu le temps de faire la pause déjeuner à midi. J'ai acheté deux ou trois petites choses à l'épicerie et j'ai mangé sur le pouce. Ne fais pas ça trop souvent ou tu auras des problèmes avec ton estomac. Ce n'est pas bon de manger trop vite, sans prendre le temps d'apprécier la nourriture. Voilà, c'est aqui. Bonsoir, chérie. Aqui eu sei que é masculino, tá? Boa noite, querido. Tu as l'air épuisé. Você parece esgotado, muito cansado. Oui, j'ai eu, eu tive, une journée très fatigante au bureau. Eu tive um dia muito cansativo no escritório. Avec beaucoup d'activités, com muita atividade, et de nombreux problèmes à résoudre. E de vários problemas para resolver. Nous avons eu une longue réunion le matin. Tivemos uma longa reunião de manhã. Et je n'ai pas eu le temps de faire la pause déjeuner. E eu não tive tempo de fazer a pausa para o almoço à midi, ao meio-dia. J'ai acheté deux ou trois petites choses à l'épicerie et j'ai mangé sur le pouce. Eu comprei duas ou três coisinhas pequenas na épicerie, que é tipo uma lanchonetezinha, e comi sobre o polegar. A gente vai ver o que significa isso aqui agora. Ne fais pas ça trop souvent. Não faça isso com tanta frequência. Ou tu auras des problèmes avec ton estomac. Ou você terá problemas com seu estômago. Ce n'est pas bon de... Então, não é bom, não é recomendável. Manger trop vite. Comer rápido demais. Sans prendre le temps d'apprécier la nourriture. Sem tirar um tempinho para apreciar a comida. Então, manger sur le pouce é fazer um lanchinho rápido. D'accord? Essa é a nossa expressão no Veda de hoje. E você vai escutar esse diálogo novamente. D'accord? Bonsoir, chérie. Tu as l'air épuisé. Oui, j'ai eu une journée très fatigante au bureau, avec beaucoup d'activités et de nombreux problèmes à résoudre. Nous avons eu une longue réunion le matin et je n'ai pas eu le temps de faire la pause déjeuner à midi. J'ai acheté deux ou trois petites choses à l'épicerie et j'ai mangé sur le pouce. Ne fais pas ça trop souvent ou tu auras des problèmes avec ton estomac.
Ce n'est pas bon de manger trop vite, sans prendre le temps d'apprécier la nourriture. Tu sais que Monsieur Chevalier, notre voisin, vient de perdre son travail ? Ah bon ? C'est terrible, parce que sa femme ne gagne pas beaucoup d'argent et leur fils, qui est à l'université, leur coûte cher. Oui, et je crois qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent à la banque pour construire leur maison, et ils ont des difficultés à rembourser. Tout va mal pour eux. Leur vieille voiture est tombée en panne et ils vont être obligés d'en acheter une neuve. Je crois qu'ils n'ont presque plus d'argent. Oui, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que nos voisins tirent le diable par la queue. E vamos lá, nós temos aqui, ó. Tu sais que Monsieur Chevalier, você sabe que o Senhor Chevalier, notre voisin, nosso vizinho, vient de perdre son travail. Acabou de perder, então vient de, tá? Acabou de acontecer alguma coisa. Acabou de perder seu trabalho? Ah bon? Sério? C'est terrible parce que sa femme ne gagne pas beaucoup d'argent. É terrível porque a mulher dele não ganha muito dinheiro. Et leur fils, e o filho deles, qui est à l'université, que está na universidade, leur coûte cher, lhes custa caro. Oui, je crois qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent à la banque. Eu acho que eles pegaram emprestado muito dinheiro no banco pour construire leur maison, para construir sua casa, et ils ont des difficultés à rembourser. Eles têm dificuldade para pagar de volta. Tout va mal pour eux. Tudo está ruim com eles. Leur vieille voiture est tombée en panne. Seu velho carro, né? Aqui voiture é feminino, por isso que é vieille. Est tombée en panne. Quebrou, enguiçou. Et ils vont être obligés. Eles vão ser obrigados d'en acheter une neuve. De comprar um novo. Aqui eu uso on porque tem esse número aqui, tá? Je crois qu'ils n'ont presque plus d'argent. Eu acredito que eles não têm quase mais dinheiro. Oui, en ce moment, nesse momento, j'ai vraiment l'impression que nos voisins tirent le diable par la queue. Nesse momento, eu realmente tenho a impressão que os nossos vizinhos estão puxando o diabo pelo rabo, ou seja, eles estão passando um pedaço muito difícil financeiramente, que é não ter muito dinheiro. Então, tirer le diable par la queue é passar por um pedaço difícil financeiramente. D'accord? A gente fica por aqui hoje e amanhã tem mais expressão para vocês, d'accord? Raymond était en train de prendre son petit déjeuner au salon. Il devait partir pour New York en avion en fin de matinée, mais il avait tout son temps. Du moins, le pensait-il. Tout à coup, Raymond a eu l'idée de vérifier l'heure du départ de l'avion. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il partait à 10 heures. Il était 9 heures. Raymond avait donc seulement 1 heure pour aller à l'aéroport. Inutile de dire qu'il est parti ventre à terre. Raymond a eu tout juste le temps de fermer sa valise et il est allé à l'aéroport à toute vitesse. Vamos lá. Raymond était en train de prendre son petit déjeuner. Ele estava en train de, estava fazendo alguma coisa. Então aqui ele estava tomando o café da manhã au salon, na sala da casa dele. Il devait partir pour New York en avion. Ele tinha que ir para Nova York de avião en fin de matinée, no fim da manhã. Mais il avait tout son temps. Mas ele estava com tempo, ele tinha todo o tempo do mundo. Du moins pensait-il. Pelo menos ele estava pensando isso. Tout à coup, de repente, Raymond a eu l'idée de vérifier l'heure du départ de l'avion. Ele teve a ideia de verificar a hora da saída do avião. C'est alors qu'il s'est rendu compte, foi então que ele percebeu, que ele se deu conta, que il partait à 10 heures, que o avião partia às 10 horas. Il était 9 heures, eram 9 horas. Raymond avait donc seulement une heure pour aller à l'aéroport. Ele tinha, então, somente 1 hora para ir ao aeroporto. Inutile de dire qu'il est parti ventre à terre. Não precisa nem dizer, inútil dizer, que ele partiu com a barriga na terra. Raymond a eu tout juste le temps de fermer sa valise. Ele teve só o tempo de fechar a mala e il est allé à l'aéroport à toute vitesse. E ele foi para o aeroporto rapidamente, a toda velocidade. Então, partir ventre à terre é ir muito rapidamente a algum lugar. D'accord? Você vai escutar essa historinha de novo e amanhã a gente se encontra aqui no Veda.
Raymond était en train de prendre son petit déjeuner au salon. Il devait partir pour New York en avion en fin de matinée, mais il avait tout son temps. Du moins, le pensait-il. Tout à coup, Raymond a eu l'idée de vérifier l'heure du départ de l'avion. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il partait à 10 heures. Il était 9 heures. Raymond avait donc seulement 1 heure pour aller à l'aéroport. Inutile de dire qu'il est parti ventre à terre. Raymond a eu tout juste le temps de fermer sa valise et il est allé à l'aéroport à toute vitesse. Je viens de voir Michel. Il ne savait pas que je changeais de travail. Mais si, je le lui ai dit hier. Il ne savait pas non plus que je déménageais à Marseille. Si, je le lui ai dit aussi. Alors je ne comprends pas son attitude. Il a posé beaucoup de questions. Moi, je comprends. Il a fait l'âne pour avoir du son. Tu as raison. Il a fait semblant de tout ignorer pour que je lui donne plus d'informations. Vamos lá, nós temos diálogo bem curtinho aqui, ó. Então, je viens de voir Michel. Eu acabei de ver o Michel. Il ne savait pas que je changeais de travail. Ele não sabia que eu estava mudando de trabalho. Mais si, olha só, esse si é si na negativa, ó. Il ne savait pas, mais si. Je lui ai dit hier. Eu lhe disse ontem. Il ne savait pas non plus. Ele não sabia também. Que je déménageais à Marseille. Que eu estava me mudando para Marseille. Si, je lui ai dit aussi. Eu também lhe disse. Alors, então, je ne comprends pas son attitude. Eu não compreendo, não entendo sua atitude. Il a posé beaucoup de questions. Ele fez muitas perguntas. Moi, je comprends. Eu entendo. Il a fait l'âne pour avoir du son. Ele se fez de burro para ganhar farelo. Ou seja, ele jogou verde para ter mais informações. Aqui ele explica, ó. Tu as raison. Il a fait semblant de tout ignorer. Ele fingiu ignorar tudo, não saber de nada. Pour que je lui donne plus d'informations. Para que eu lhe desse mais informações. Olha a pronúncia aqui, ó. Aqui é ignorer. É meio um NH nosso. Ignorer, tout ignorer. Tout ignorer pour que je lui donne plus d'informations. Para que eu lhe desse mais informações. Então, faire l'âne pour avoir du son é jogar verde. Você fala uma coisa para a pessoa te dar mais informações. D'accord? Nós vamos escutar esse diálogo de novo e a gente se vê amanhã no VEDA. Je viens de voir Michel. Il ne savait pas que je changeais de travail. Mais si, je le lui ai dit hier. Il ne savait pas non plus que je déménageais à Marseille. Si, je le lui ai dit aussi. Alors je ne comprends pas son attitude. Il a posé beaucoup de questions. Moi, je comprends. Il a fait l'âne pour avoir du son. Tu as raison. Il a fait semblant de tout ignorer pour que je lui donne plus d'informations. Bonjour. J'ai laissé hier ma voiture dans votre garage et je viens la reprendre. Elle est prête ? Oui. Nous avons changé les pneus, réparé l'accélérateur et changé l'huile. Quels pneus avez-vous mis ? Des XB normaux ou des SK spéciaux ? Je ne sais pas, c'est un détail, mais je vais regarder. S'il vous plaît. Et pour l'accélérateur, vous avez mis un câble standard ou un câble en acier renforcé? Franchement, il y a peu de différence. Ce n'est pas très important. Je n'en suis pas sûr. Et l'huile? Combien de litres d'huile avez-vous mis? Oh, à peu près 4 ou 5 litres. Non, non, je veux savoir exactement. Monsieur, je crois que là, vous êtes en train de chercher la petite bête. Oui, je sais. J'examine toujours les plus petits détails. Et nous avons « Bonjour, j'ai laissé hier ma voiture dans votre garage. Donc, eu deixei ontem meu carro na sua oficina et je viens la reprendre. E eu estou vindo, estou aqui pegá-la para buscá-la. Elle est prête? Tá pronto? Aqui o carro em francês, como você já sabe, é feminino. Então, aqui, ó. Ma voiture, elle, porque voiture é feminino e prête também tem o ezinho aqui para indicar que esse adjetivo está no feminino. Oui, nous avons changé les pneus, réparé l'accélérateur et changé l'huile. Então, ó, nós trocamos os pneus, consertamos o acelerador e trocamos o óleo. Quel pneu avez-vous mis? Que pneus vocês colocaram? DXB normaux, os XB normais ou DSK spéciaux?
aux escales spéciales. Je ne sais pas, não sei, c'est un détail, mais je vais regarder, mas eu vou olhar, s'il vous plaît, por favor. Et pour l'accélérateur, e o acelerador, vous avez mis un câble standard ou un câble en acier renforcé? Vocês colocaram cabo padrão ou cabo em aço reforçado? Franchement, il y a peu de différence. Tem pouca diferença. Francamente, na verdade, tem pouca diferença. Ce n'est pas très important. Não é muito importante. Je ne suis pas sûr. Eu não tenho muita certeza disso. Et l'huile? E o óleo? Combien de litres d'huile avez-vous mis? Quantos litros de óleo vocês colocaram? À peu près 4 ou 5 litres. Mais ou menos 4 ou 5 litros. Non, non, je veux savoir exactement. Eu quero saber exatamente. Monsieur, je crois que là, eu acho que o senhor, vous êtes en train de chercher la petite bête. O senhor está procurando o bichinho. Oui, je sais. J'examine toujours les plus petits détails. Eu examino sempre os detalhes mais pequenininhos. Então, chercher la petite bête é ser muito detalhista, exigir informações demais, d'accord? Nós vamos ouvir esse diálogo novamente e a gente se encontra amanhã aqui no Veda. Bonjour. J'ai laissé hier ma voiture dans votre garage et je viens la reprendre. Elle est prête? Oui. Nous avons changé les pneus, réparé l'accélérateur et changé l'huile. Quels pneus avez-vous mis? Des XB normaux ou des SK spéciaux? Je ne sais pas. C'est un détail. Mais je vais regarder. S'il vous plaît. Et pour l'accélérateur, vous avez mis un câble standard ou un câble en acier renforcé? Franchement, il y a peu de différence. Ce n'est pas très important. Je n'en suis pas sûr. Et l'huile? Combien de litres d'huile avez-vous mis? Oh, à peu près 4 ou 5 litres. Non, non. Je veux savoir exactement. Monsieur, je crois que là, vous êtes en train de chercher la petite bête. Oui, je sais. J'examine toujours les plus petits détails. Bonjour Bernard. Comment vas-tu? Tu as l'air déprimé. Bonjour Étienne. En fait, je ne vais pas très bien. Je viens de perdre mon travail et ma fiancée m'a quitté. J'ai le cafard en ce moment. Écoute, ne sois pas si triste. La situation va s'arranger. Je suis sûr que, avec tous tes diplômes, tu vas retrouver du travail. Et ta fiancée reviendra. Tu crois? Mais oui. Tu vois les choses en noir aujourd'hui. Mais tout ira mieux demain. Então, nós temos aqui, ó. Bonjour Bernard. Comment vas-tu? Como você está? Tu as l'air déprimé. Você parece deprimido. Bonjour Etienne. En fait. Ó, en fait, aqui eu vou pronunciar o T, tá? Na verdade, je ne vais pas très bien. Estou muito bem. Je viens de perdre mon travail. Acabei de perder meu trabalho. Et ma fiancée m'a quitté. Minha noiva me deixou. J'ai le cafard en ce moment. Então, eu estou com a barata nesse momento. Écoute, ne sois pas si triste. Escuta, não fique assim tão triste. La situation va s'arranger. A situação vai se arranjar, vai se resolver. Je suis sûr que... Eu tenho certeza de que... Avec tous tes diplômes, todos os teus diplômes, tu vas retrouver du travail. Você vai encontrar de novo trabalho. Et ta fiancée reviendra. E a sua noiva voltará. Tu crois? Você acha mesmo? Mais oui, tu vois les choses en noir aujourd'hui. Você vê as coisas em negro hoje. Então, avoir le cafard significa estar deprimido mesmo. Ver as coisas em negro, ver a parte, só a parte negativa das coisas. Mais tu iras mieux demain. Mas tudo vai ser melhor amanhã. Então, bem rapidinho hoje, ó, avoir le cafard é estar deprimido, estar triste. Vamos escutar esse diálogo novamente e a gente se vê amanhã. Bonjour Bernard. Comment vas-tu? Tu as l'air déprimé. Bonjour Étienne. En fait, je ne vais pas très bien. Je viens de perdre mon travail et ma fiancée m'a quitté. J'ai le cafard en ce moment. Écoute, ne sois pas si triste. La situation va s'arranger. Je suis sûr que, avec tous tes diplômes, tu vas retrouver du travail. Et ta fiancée reviendra. Tu crois? Mais oui. Tu vois les choses en noir aujourd'hui. Mais tout ira mieux demain.
Bonjour, madame la directrice. Vous m'avez demandé de venir vous voir à l'école. Oui, monsieur Michaud. C'est au sujet de votre fils. Nous avons des problèmes avec lui. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais on a trouvé dans son manteau de l'argent qui, nous pensons, appartient à un autre élève et que... Madame la directrice, appelez un chat un chat. Vous voulez dire que mon fils est un voleur ? Oui, disons les choses franchement. Nous pensons qu'il a volé cet argent. Então nós temos aqui, bonjour madame la directrice. Bom dia, diretora. Vous m'avez demandé de venir vous voir à l'école? A senhora pediu que eu viesse lhe ver aqui na escola? Oui, monsieur Michaud. Sim, senhor Michaud. C'est au sujet de votre fils. É sobre o seu filho. Nous avons des problèmes avec lui. Nós estamos com problemas com ele. Je ne sais pas comment vous dire ça. Não sei como lhe dizer isso. Mais on a trouvé dans son manteau de l'argent qui, nous pensons, appartient à un autre élève et que... Mas a gente encontrou no casaco dele dinheiro que, nós achamos, pertence a um outro aluno e que... Madame la directrice, appelez un chat un chat. Chama um gato de gato. Vous voulez dire que mon fils c'est un voleur? A senhora quer dizer que meu filho é ladrão? Oui. Disons les choses franchement. Digamos as coisas francamente. Então, appeler un chat é dizer as coisas com franqueza, honestamente. Nous pensons qu'il a volé cet argent. Nós achamos que ele roubou esse dinheiro. D'accord? Então, appeler un chat é falar alguma coisa diretamente sem rodeios. Agora a gente vai escutar e ler novamente esse diálogo e a gente se vê amanhã no VEDA. D'accord? Bonjour, madame la directrice. Vous m'avez demandé de venir vous voir à l'école. Oui, monsieur Michaud. C'est au sujet de votre fils. Nous avons des problèmes avec lui. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais on a trouvé dans son manteau de l'argent qui, nous pensons, appartient à un autre élève et que... Madame la directrice, appelez un chat un chat. Vous voulez dire que mon fils est un voleur ? Oui, disons les choses franchement. Nous pensons qu'il a volé cet argent. Bonjour, monsieur. Je suis l'inspecteur Dupont. La maison de votre voisin, monsieur Bulot, a été cambriolée hier soir. Et je cherche le coupable. Je sais, inspecteur. Monsieur Bulot me l'a dit ce matin. Bien. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez entendu du bruit hier soir ? Non, je n'ai rien entendu. Mais j'ai vu deux hommes en voiture qui s'arrêtaient près de la maison de M. Bulot. Est-ce que vous pouvez décrire ces deux hommes ? Non, pas vraiment. C'était entre chien et loup, et je n'ai pas bien vu. C'est dommage. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Mais quand la voiture s'est arrêtée, la nuit tombait, et il y avait peu de lumière. Vamos lá, nós temos « Bonjour, monsieur ». Bom dia, senhor. Je suis l'inspecteur Dupont. Eu sou o inspetor Dupont, investigador Dupont. La maison de votre voisin, a casa do seu vizinho, monsieur Bulot, a été cambriolée. Foi arrombada hier soir, ontem à noite, et je cherche le coupable. Estou procurando o culpado. Je sais, inspecteur. Eu sei, inspetor. Monsieur Bulot me l'a dit ce matin. O senhor Bulot me disse isso hoje de manhã. Bien, je voudrais vous poser quelques questions. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Est-ce que vous avez entendu du bruit hier soir? O senhor escutou barulho ontem à noite? Non, je n'ai rien entendu. Eu não escutei nada. Olha a posição do rien aqui, ó, entre o avoir e o participe passado. Mais j'ai vu deux hommes en voiture, mas eu vi dois homens num carro qui s'arrêtaient près de la maison. Que estavam parados perto da casa de Monsieur Bulot. Est-ce que vous pouvez décrire ces deux hommes? O senhor pode descrever esses dois homens? Non, pas vraiment. Não, na verdade, não. C'était entre chien et loup. Estava entre o cachorro e o lobo. Et je n'ai pas bien vu. E eu não vi muito bem. C'est dommage. É uma pena.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Sinto de não poder lhe ajudar. Mais quand la voiture s'est arrêtée, mas quando o carro parou, ó, voiture feminina em francês, tá? La nuit tombait et il y avait peu de lumière. A noite estava caindo, estava chegando e tinha um pouco de luz. Então estava entre o lusco-fusco, aquele horário que você não enxerga muito bem, entre o dia e a noite. Então essa expressão significa isso mesmo, entre chien et loup. Agora você vai escutar novamente esse diálogo, vai ler e a gente vai se ver amanhã no VEDA. D'accord? On se voit. Bonjour monsieur, je suis l'inspecteur Dupont. La maison de votre voisin, monsieur Bulot, a été cambriolé hier soir, et je cherche le coupable. Je sais, inspecteur. Monsieur Bulot me l'a dit ce matin. Bien. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez entendu du bruit hier soir ? Non, je n'ai rien entendu. Mais j'ai vu deux hommes en voiture qui s'arrêtaient près de la maison de monsieur Bulot. Est-ce que vous pouvez décrire ces deux hommes ? Non, pas vraiment. C'était entre chien et loup, et je n'ai pas bien vu. C'est dommage. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Mais quand la voiture s'est arrêtée, la nuit tombait, et il y avait peu de lumière. Pour les vacances d'été, je crois que nous irons à la mer, sur la Côte d'Azur. Les enfants adorent se baigner, et ma femme veut profiter du soleil. Très bien. Et... Oui, le garagiste m'a dit que la batterie était morte et que je devais la changer. Quoi ? Écoute, tu sautes du coq à l'âne. Excuse-moi, je suivais ma pensée. Oui, mais moi, j'ai des difficultés à suivre la conversation. Ne change pas brusquement de sujet comme ça. Et nous sommes ici, pour les vacances d'été, pour les férias de verão, je crois que nous irons à la mer. Acho que vamos pro mar. Então, la mer é feminino em francês. Sur la Côte d'Azur. Na Côte d'Azur. Les enfants adorent se baigner. Eles adoram ficar se banhando no mar. Et ma femme veut profiter du soleil. E a minha mulher quer aproveitar o sol. Très bien. Et muito bem. Et oui, le garagiste m'a dit que la batterie était morte et que je devais la changer. O mecânico me disse que a bateria estava morta, né? Tinha acabado a bateria. E que eu tinha que trocá-la. Quoi? Mas o quê? Écoute, tu sautes du coq à l'âne. Você está pulando do galo pro burro. Excusez-moi, je suivais ma pensée. Ah, desculpe, eu estava seguindo meu pensamento. Ó, pensamento feminino em francês, tá? Oui, mais non, j'ai des difficultés à suivre la conversation. Eu tô com dificuldade de seguir a conversa, acompanhar a conversa. Ne change pas brusquement de sujet comme ça. Não troque de assunto assim tão bruscamente. Então, sauter du coq à l'âne é mudar de assunto rapidamente, bruscamente. D'accord? A gente vai escutar esse diálogo novamente e a gente se vê amanhã aqui no VEDA. Pour les vacances d'été, je crois que nous irons à la mer, sur la Côte d'Azur. Les enfants adorent se baigner et ma femme veut profiter du soleil. Très bien. Et... Oui, le garagiste m'a dit que la batterie était morte et que je devais la changer. Quoi ? Écoute, tu sautes du coq à l'âne. Excuse-moi, je suivais ma pensée. Oui, mais moi, j'ai des difficultés à suivre la conversation. Ne change pas brusquement de sujet comme ça. Je viens de signer un contrat avec André Billon, le président de la grande compagnie de produits chimiques. Les négociations ont été difficiles et j'ai dû avaler des couleuvres pour arriver à mon but. Par exemple, il m'a obligé à venir travailler chez lui un dimanche à 8h du matin. Un autre jour, il a pris son déjeuner pendant les discussions sans rien m'offrir à manger. Récemment, il a affirmé que ma secrétaire était incompétente et que je l'avais mal choisie. Et j'étais obligé de subir ces humiliations sans protester, parce que j'espérais obtenir ce contrat. Então nós temos aqui, ó. Je viens de signer un contrat. Eu acabo de assinar um contrato avec André Billon, le président de la grande compagnie de produits chimiques, presidente da grande empresa de produtos químicos. Les négociations ont été difficiles. As negociações foram difíceis. Et j'ai dû avaler des couleuvres. Eu tive que engolir cobrinhas
pour arriver à mon but, para chegar no meu objetivo. Então, a gente vai ver o que, que é engolir essas cobrinhas aqui. Par exemple, dá um exemplo. Il m'a obligé à venir travailler chez lui. Ele me obrigou a vir trabalhar com ele un dimanche à 8 heures du matin. Um domingo, às 8 horas da manhã. Un autre jour, um outro dia, il a pris son déjeuner pendant les discussions. Ele almoçou durante as nossas conversas sans rien m'offrir à manger, sem me oferecer nada para comer. Recentemente, il a affirmé que ma secrétaire était incompétente. Ele afirmou que a minha secretária era incompetente e que je l'avais mal choisi. E que eu tinha escolhido mal ela, tá? Aqui vai concordar com ela, tá? Com ela aqui. Et j'étais obligé de subir ses humiliations sans protester. E eu fui obrigado a sofrer essas humilhações sem reclamar. Então, engolir essas cobrinhas significa sofrer essas humilhações sem protestar, sem reclamar. Parce que j'espérais obtenir ce contrat. Porque eu esperava, eu contava com obter esse contrato. Então, é isso que significa essa expressãozinha avaler de couleuvre. A gente vai escutar o textinho de novo e a gente se vê amanhã no Veda. Je viens de signer un contrat avec André Billon, le président de la grande compagnie de produits chimiques. Les négociations ont été difficiles et j'ai dû avaler des couleuvres pour arriver à mon but. Par exemple, il m'a obligé à venir travailler chez lui un dimanche à 8 heures du matin. Un autre jour, il a pris son déjeuner pendant les discussions sans rien m'offrir à manger. Récemment, il a affirmé que ma secrétaire était incompétente et que je l'avais mal choisie. Et j'étais obligé de subir ses humiliations sans protester, parce que j'espérais obtenir ce contrat. Bonjour Antoine. Qu'est-ce que tu fais sur ce trottoir avec un bouquet de fleurs à la main? J'attends Nathalie. Je l'ai invitée à dîner. Mais il est déjà 9h du soir. À quelle heure est-ce que tu avais rendez-vous avec elle? À 8h précises. Alors je crois qu'elle t'a posé un lapin. Je connais Nathalie. Elle est très ponctuelle. Et je suis sûre maintenant qu'elle ne viendra pas au rendez-vous. Então nós estamos aqui. Bonjour Antoine. Bom dia Antoine. Qu'est-ce que tu fais sur ce trottoir? O que você está fazendo nessa calçada avec un bouquet de fleurs à la main? Com um buquê de flores na mão. J'attends Nathalie. Estou esperando a Nathalie. Je l'ai invité à dîner. Eu a convidei para jantar. Mais il est déjà 9h du soir. Mas já são 9 horas da noite. À quelle heure est-ce que tu avais rendez-vous avec elle? Que horas você tinha o encontro, hora marcada com ela? À 8 heures précises. Às 8 horas em ponto. Alors, je crois qu'elle t'a posé un lapin. Eu acho que ela te colocou um coelho. Je connais Nathalie. Eu conheço a Nathalie. Elle est très ponctuelle. Ela é muito pontual. Et je suis sûr. Tenho certeza maintenant, agora, qu'elle ne viendra pas au rendez-vous. Que ela não vai vir ao seu encontro. Então, poser un lapin à quelqu'un é dar um bolo em alguém, deixar alguém esperando, não comparecer no encontro, seja qualquer tipo de encontro, ok? Então, poser un lapin é quando você não aparece num encontro que você tinha com alguém. A gente vai escutar esse diálogo de novo e a gente se vê amanhã no Veda. Bonjour Antoine. Qu'est-ce que tu fais sur ce trottoir avec un bouquet de fleurs à la main? J'attends Nathalie. Je l'ai invitée à dîner. Mais il est déjà 9h du soir. À quelle heure est-ce que tu avais rendez-vous avec elle? À 8h précises. Alors je crois qu'elle t'a posé un lapin. Je connais Nathalie. Elle est très ponctuelle. Et je suis sûre maintenant qu'elle ne viendra pas au rendez-vous. Annie, qui est ce garçon avec qui tu étais au cinéma samedi soir? Il s'appelle Denis. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, il a l'air très sympathique. C'est ton nouveau fiancé? Pas exactement. Je l'aime bien, mais je trouve que Michel est plus intéressant. Qui est Michel?
Mais si, tu le connais. Il est dans ma classe. En plus, il est très grand et musclé. Et j'aimerais bien qu'il m'invite en discothèque un soir. Annie, fais attention. J'ai l'impression que tu es en train de courir deux lièvres à la fois. Je sais. Et tu penses que je ne devrais pas? Non. Il n'est jamais bon de poursuivre deux objectifs opposés en même temps. Então, nós temos aqui Annie. Qui est ce garçon avec qui tu étais au cinéma samedi soir? Annie, quem é esse moço com quem você estava no cinema no sábado à noite? Ele se chama Dennis. Il est beau, n'est-ce pas? Il est bonito, não é? Oui, et il a l'air très sympathique. Ele parece muito simpático. C'est ton nouveau fiancé? É seu novo namorado? Pas exactement. Não exatamente. Je l'aime bien. Eu gosto dele. Mais je trouve que Michel est plus intéressant. Mas eu acho que Michel é mais interessante. Qui est Michel? Quem é que é o Michel? Mais si, tu le connais. Ah, mas é claro, você conhece ele. Il est dans ma classe. Ele está na minha sala, na minha classe. En plus, além disso, il est très grand et musclé. Ele é muito alto e musculoso. Et j'aimerais qu'il m'invite en discothèque un soir. Eu adoraria que ele me convidasse para ir na discoteca, para ir na balada, uma noite dessas. Annie, fais attention, preste atenção. J'ai l'impression que tu es en train de courir deux lièvres à la fois. Eu tenho a impressão de que você está correndo duas lèvres ao mesmo tempo. Je sais, eu sei. Et tu penses que je ne devrais pas? Você acha que eu não deveria fazer isso? Non, non. Il n'est jamais bon de poursuivre deux objectifs. Nunca é bom de perseguir dois objetivos opposés en même temps. Opostos ao mesmo tempo. Então, a Annie está saindo com esses dois caras aqui e essa pessoa aqui acha que ela não deve. D'accord? Então, essa é a nossa expressão de hoje. Vamos escutar de novo esse diálogo e a gente se vê amanhã no VEDA. Annie, qui est ce garçon avec qui tu étais au cinéma samedi soir? Il s'appelle Denis. Il est beau, n'est-ce pas? Oui, il a l'air très sympathique. C'est ton nouveau fiancé? Pas exactement. Je l'aime bien, mais je trouve que Michel est plus intéressant. Qui est Michel? Mais si, tu le connais. Il est dans ma classe. En plus, il est très grand et musclé. Et j'aimerais bien qu'il m'invite en discothèque un soir. Annie, fais attention. J'ai l'impression que tu es en train de courir deux lièvres à la fois. Je sais. Et tu penses que je ne devrais pas? Non. Il n'est jamais bon de poursuivre deux objectifs opposés en même temps. Je n'aime pas beaucoup ces retours de vacances. J'ai toujours du mal à me remettre au travail. En fait, j'ai envie de continuer à ne rien faire. Allez, Duner, nous allons commencer le nouveau projet de pont sur la rivière. Nous attaquons immédiatement et à midi, les plans seront terminés. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as mangé du lion ce matin? Oui, j'ai beaucoup d'énergie. Et je suis toujours très dynamique quand je reviens de vacances. Então, nós estamos aqui. Je n'aime pas beaucoup ces retours de vacances. Eu não gosto muito dessas voltas de férias. J'ai toujours du mal à me remettre au travail. Eu sempre tenho dificuldade à voltar para o trabalho. En fait, de fato, na verdade, j'ai envie de continuer à ne rien faire. Eu tenho vontade de continuar a não fazer nada. Allez, nossa, Duner. Esse F é mudo, tá? Que cara de pau. Nous allons commencer le nouveau projet. Nós vamos começar o novo projeto du pont, da ponte, sur la rivière, sobre o rio, da ponte do rio. Nous attaquons immédiatement. Nós atacamos imediatamente aqui. Atacam é começar algo com energia. E, à midi, les plans seront terminés. E, ao meio-dia, as plantas estarão terminadas. Os planos estarão terminados. Mais qu'est-ce que tu as? Mas o que você tem? Tu as mangé du lion ce matin? Você comeu um leão hoje de manhã? Ela explica. Oui, j'ai beaucoup d'énergie. Tenho muita energia. Et je suis toujours très dynamique. E eu sempre sou muito dinâmico quando je reviens de vacances.
quando eu volto das férias. Então, avoir mon jet du lion é você ter bastante energia, estar sempre dinâmico e animado. A gente vai escutar esse diálogo de novo e a gente se vê amanhã. Je n'aime pas beaucoup ces retours de vacances. J'ai toujours du mal à me remettre au travail. En fait, j'ai envie de continuer à ne rien faire. Allez, du nerf. Nous allons commencer le nouveau projet de pont sur la rivière. Nous attaquons immédiatement et à midi, les plans seront terminés. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as mangé du lion ce matin? Oui, j'ai beaucoup d'énergie. Et je suis toujours très dynamique quand je reviens de vacances. Bernard, viens ici. Oui, maman, où es-tu? Dans ta chambre. Viens, regarde. Tes livres sont sur le lit, tes jouets sur le sol, tes vêtements ici et là, la radio est sur la chaise, le ballon est sur le bureau, et il y a des papiers partout. Une truie n'y retrouverait pas ses petits. D'accord, maman. J'avoue que ma chambre n'est pas très bien rangée. Mas te prometo que vou fazer um esforço. E nós temos aqui a mãe, que está conversando com o Bernard, que é o filho dela. Ela diz assim, Bernard, viens ici. Vem aqui. Oui, maman, où es-tu? Sim, mamãe, onde você está? Dans ta chambre, no teu quarto. Viens et regarde. Venha e olhe. Tes livres sont sur le lit. Os teus livros estão em cima da cama. Tes jouets sur le sol. Os teus brinquedos no chão. Tes vêtements ici et là. Tuas roupas aqui e lá, todas espalhadas. La radio est sur la chaise. O rádio está em cima da cadeira. Le ballon sur le bureau. A bola em cima da mesa do escritório. Et il y a des papiers partout. E tem papel por todos os lugares. Une truie ne retrouverait pas ses petits. Então, uma porquinha não encontraria os seus pequenos, os seus filhinhos. D'accord, maman. Tudo certo, mãe. J'avoue que ma chambre n'est pas très bien rangée. Eu admito que o meu quarto não está muito bem organizado. Então, está tão bagunçado que uma porquinha não encontraria os seus filhinhos, tendo em conta que é um animal grande. Mais je te promets que je vais faire un effort. Mas eu te prometo que eu vou fazer um esforço. Então, une truie n'y retrouverait pas ses petits. É a nossa expressão de hoje. A gente vai escutar esse diálogo novamente e a gente se vê amanhã no Veda. Bernard, viens ici. Oui, maman, où es-tu? Dans ta chambre. Viens, regarde. Tes livres sont sur le lit, tes jouets sur le sol, tes vêtements ici et là, la radio est sur la chaise, le ballon est sur le bureau, et il y a des papiers partout. Une truie n'y retrouverait pas ses petits. D'accord, maman. J'avoue que ma chambre n'est pas très bien rangée, mais je te promets que je vais faire un effort. Dis donc, quelle jolie voiture! Tu viens de l'acheter? Oui, c'est le dernier coupé de luxe. Il est très bien équipé. Alors les affaires marchent bien, on dirait. Oui, je ne me plains pas, ma compagnie fait de gros bénéfices et je vis bien. Mais tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. Ah bon? Dans ma jeunesse, j'ai mangé de la vache enragée. Ma famille était très pauvre et je n'ai pas pu faire beaucoup d'études. J'ai été obligé de travailler très jeune. Et je gagnais un tout petit salaire parce que je n'avais pas de diplôme. Je comprends. Tu as vécu une période difficile. Mais heureusement, les choses vont mieux maintenant. Dis donc, nossa, me diz, quelle jolie voiture, que carro bonito. Lembrando que voiture é feminino em francês, então por isso que tem quelle e jolie coisinho aqui. Tu viens de l'acheter? Você acabou de comprar? Oui, c'est le dernier coupé de luxe. É o último coupé de luxo. Elle est très bien équipée. É muito bem equipado. Alors, les affaires marchent bien, on dirait. Então, os negócios vão bem, eu diria. Oui, je ne me plains pas. Eu não reclamo. Ma compagnie fait de gros bénéfices. Minha empresa está fazendo grandes lucros. Et je vis bien. E eu vivo bem. Mais tu sais, mas você sabe, ça n'a pas toujours été comme ça. Não foi sempre assim. Ah bon? Sério? Dans ma jeunesse, na minha juventude, j'ai mangé de la vache enragée. Eu comia vaca louca, nós vamos descobrir o que é isso agora. Ó. Ma famille était très pauvre, minha família era muito pobre, et je n'ai pas pu faire beaucoup d'études. Eu não consegui, não pude fazer muitos estudos. J'ai été obligé de travailler très jeune, eu fui obrigado a trabalhar muito jovem, ó, obligé de, em português, obrigado a, em francês, obligé de,
travaillais très jeune et je gagnais un tout petit salaire. Je gagnais un saladiozinho parce que je n'avais pas de diplôme. Porque eu não tinha diplômes. Je comprends. Entendo. Tu as vécu une période difficile. Você viveu um período difícil. Então, manger de la vache enragée é passar por um pedaço ruim. Mais, heureusement, felizmente, les choses vont mieux maintenant. As coisas estão melhores agora. Então, isso aí é manger de la vache enragée. E você vai escutar esse diálogo de novo e a gente se vê amanhã. Dis donc, quelle jolie voiture! Tu viens de l'acheter? Oui, c'est le dernier coupé de luxe. Il est très bien équipé. Alors les affaires marchent bien, on dirait. Oui, je ne me plains pas, ma compagnie fait de gros bénéfices et je vis bien. Mais tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. Ah bon? Dans ma jeunesse, j'ai mangé de la vache enragée. Ma famille était très pauvre et je n'ai pas pu faire beaucoup d'études. J'ai été obligé de travailler très jeune. Et je gagnais un tout petit salaire parce que je n'avais pas de diplôme. Je comprends. Tu as vécu une période difficile. Mais heureusement, les choses vont mieux maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive, Lionel? Tu n'as pas l'air content. Non, pas du tout. Tu sais que j'ai vendu ma voiture à une dame il y a 3 jours? Oui, je me rappelle. Je crois que tu as fait une bonne affaire. Je croyais aussi. Mais ma banque vient de me téléphoner. La dame m'a fait un chèque en bois. Donc la banque refuse de payer ce chèque sans valeur. Et tu as perdu cet argent. Eh oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Lionel? O que que você tem? O que que está acontecendo com você, Lionel? Tu n'as pas l'air content. Você não está com aparência contente. Você não parece contente. Non, pas du tout. Non, em absoluto, de jeito nenhum. Tu sais que j'ai vendu ma voiture. Você sabe que eu vendi meu carro à une dame il y a 3 jours. Para uma mulher. Faz 3 dias? Oui, je me rappelle. Sim, eu me lembro disso. Je crois que tu as fait une bonne affaire. Eu acho que você fez um bom negócio. Je croyais aussi. Eu acreditava também. Mais ma banque vient de me téléphoner. Mas meu banco acabou de me ligar. La dame m'a fait un chèque en bois. A mulher me fez um cheque de madeira. Donc la banque refuse de payer ce chèque sans valeur et tu as perdu cet argent. Então o banco se recusa a pagar esse cheque sem valor, é um cheque sem fundo, et tu as perdu cet argent. E você perdeu esse dinheiro. Então, faire un chèque en bois é passar um cheque ruim, passar um cheque sem fundo. D'accord? A gente vai escutar novamente esse diálogo e a gente se vê amanhã no Veda. Qu'est-ce qui t'arrive, Lionel? Tu n'as pas l'air content. Non, pas du tout. Tu sais que j'ai vendu ma voiture à une dame il y a 3 jours? Oui, je me rappelle. Je crois que tu as fait une bonne affaire. Je croyais aussi. Mais ma banque vient de me téléphoner. La dame m'a fait un chèque en bois. Donc la banque refuse de payer ce chèque sans valeur. Et tu as perdu cet argent. Eh oui. Mon frère vient d'avoir un accident de voiture au centre de Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de circulation. Il n'a pas vu la voiture qui arrivait à sa gauche et il est rentré dedans. Et alors? Rien de grave. Mon frère n'est pas blessé, mais il a cassé du bois. Ah? La voiture est accidentée? Mais si ton frère n'a rien, c'est l'essentiel. L'assurance paiera. E nós temos aqui, mon frère vient d'avoir un accident. Meu irmão acabou de sofrer um acidente, aqui não é subir, é avoir. Um acidente de voiture, de carro, au centre de Lyon, no centro de Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Il y avait beaucoup de circulation, tinha muito trânsito. Il n'a pas vu la voiture qui arrivait à sa gauche. Ele não viu o carro que vinha da sua esquerda, e il est rentré dedans. E ele bateu com esse carro. E alors? E daí? Rien de grave. Nada de grave. Mon frère n'est pas blessé. Meu irmão não está ferido, não se machucou. Mais il a cassé du bois. Mas ele quebrou a madeira. Ah, la voiture est accidentée. Então, o carro está acidentado, que é cassé du bois, é ter um acidente de carro. Mais si ton frère n'a rien,
Mas se teu irmão não tem nada, c'est l'essentiel. Isso é o que importa. L'assurance paiera. O seguro vai pagar. Então, casser du bois é sofrer um acidente de carro. Vamos escutar esse diálogo mais uma vez. Mon frère vient d'avoir un accident de voiture au centre de Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de circulation. Il n'a pas vu la voiture qui arrivait à sa gauche et il est rentré dedans. Et alors? Rien de grave. Mon frère n'est pas blessé, mais il a cassé du bois. Ah? La voiture est accidentée? Mais si ton frère n'a rien, c'est l'essentiel. L'assurance paiera. Mon chéri, je suis allée au garage reprendre la voiture que tu avais laissée ce matin. Et combien tu as payé? 1 500 €. Quoi? Mais c'est scandaleux. Qu'est-ce que le mécanicien a fait sur cette voiture? Il a réparé le carburateur, il a remplacé la batterie et 2 ou 3 autres choses. Mais je lui avais simplement dit de changer l'huile. C'est malhonnête. Je vais au garage et le mécanicien va voir de quel bois je me chauffe. Calme-toi. Téléphone d'abord. Non, je vais lui montrer qui je suis. Je vais faire un scandale et je lui dirai ce que je pense de son attitude. Et nous sommes ici. Mon chéri, meu querido, je suis allé au garage. Eu fui à oficina, que allé, que cezinho aqui, porque é mulher. Oficina, reprendre la voiture, buscar o carro que tu avais laissé ce matin, que você tinha deixado hoje de manhã. Et combien tu as payé? E quanto você pagou? 1 500 €. 1 500 €. Quoi? Mas o quê? Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est un absurde. Qu'est-ce que le mécanicien a fait sur cette voiture? O que que o mecânico fez nesse carro? Il a réparé le carburateur. Ele consertou o carburador. Il a remplacé la batterie. Ele substituiu, trocou a bateria. Et 2 ou 3 autres choses. Et 2 ou 3 autres coisinhas. Mais je lui avais simplement dit de changer l'huile. Mas eu tinha falado para ele simplesmente trocar o óleo. C'est malhonnête. Isso é desonestidade. A oficina. Et le mécanicien va voir de quel bois je me chauffe. E o mecânico vai ver de que madeira eu me esquento. Calme-toi. Telefone d'abord. Liga antes. Non, je vais lui montrer qui je suis. Eu vou mostrar para ele quem que eu sou, com quem que ele está falando. Então, é isso aqui que significa a expressão. Je vais faire un scandale et je lui dirai ce que je pense de son attitude. Eu vou fazer um escândalo e vou dizer para ele o que eu penso da atitude dele. Então, a expressão de hoje é de quel bois je me chauffe, de quel bois on se chauffe. D'accord? Vamos escutar o diálogo de novo e a gente se vê amanhã. Mon chéri, je suis allé au garage reprendre la voiture que tu avais laissée ce matin. Et combien tu as payé? 1 500 €. Quoi? Mais c'est scandaleux. Qu'est-ce que le mécanicien a fait sur cette voiture? Il a réparé le carburateur, il a remplacé la batterie et 2 ou 3 autres choses. Mais je lui avais simplement dit de changer l'huile. C'est malhonnête. Je vais au garage et le mécanicien va voir de quel bois je me chauffe. Calme-toi. Téléphone d'abord. Non, je vais lui montrer qui je suis. Je vais faire un scandale et je lui dirai ce que je pense de son attitude. Les escaliers de la mairie sont en très mauvais état. Ils datent de 1890 et le bois n'est plus très solide. Avant-hier, je descendais ces escaliers et une des marches s'est cassée. J'ai perdu l'équilibre et j'ai ramassé une bûche. J'ai déposé une plainte. Parce que je considère que si je suis tombée, c'est la faute de la mairie. Então nós temos aqui, ó. Les escaliers de la mairie sont en très mauvais état. As escadas da prefeitura estão em estado muito ruim. Il date de 1890. Elas têm a data, foram construídas em 1890. Et le bois n'est plus très solide. E a madeira não está muito sólida. Avant-hier, anteontem, je descendais ces escaliers, eu estava descendo as escadas, et une des marches s'est cassée, e um dos degraus quebrou. J'ai perdu l'équilibre et j'ai ramassé une bûche. Eu perdi o equilíbrio e j'ai ramassé une bûche. J'ai déposé une plainte, eu fiz uma reclamação
parce que je considère que, porque eu acho que, eu considero que, si je suis tombé, si eu caí, c'est de la faute de la mairie. É culpa da prefeitura. Então, ramasser un bûche é levar um tombo, cair, d'accord? Vamos escutar essa historinha de novo e a gente se vê amanhã. Les escaliers de la mairie sont en très mauvais état. Ils datent de 1890 et le bois n'est plus très solide. Avant-hier, je descendais ces escaliers et une des marches s'est cassée. J'ai perdu l'équilibre et j'ai ramassé une bûche. J'ai déposé une plainte parce que je considère que si je suis tombée, c'est la faute de la mairie. Il y a un mois, j'ai eu un accident avec un autre automobiliste. Il ne s'est pas arrêté au stop et il m'est rentré dedans. Mais il s'est enfui et je n'ai pas eu le réflexe de noter son numéro d'immatriculation. Cela m'a posé des problèmes parce que ma compagnie d'assurance ne voulait pas me croire et elle refusait de payer. Heureusement, une vieille dame a tout vu et elle a dit à la compagnie d'assurance que je n'étais pas responsable de l'accident. Elle m'a vraiment enlevé une épine du pied. Pour la remercier, je l'ai invitée au restaurant. C'est normal. Cette dame m'a vraiment délivré de mes inquiétudes et a résolu mon problème. Então nós temos essa historinha aqui, ó. Il y a un mois, faz um mês atrás, j'ai eu un accident, eu tive um acidente, avec un autre automobiliste, com outro motorista. Il ne s'est pas arrêté au stop, ele não parou no sinal de pare, et il m'est rentré dedans, e ele bateu no meu carro. Mais il s'est enfui, mas ele fugiu, et je n'ai pas eu le réflexe, eu não tive o reflexo, a noção, de noter son numéro d'immatriculation, de anotar o número da placa dele. Cela m'a posé des problèmes, isso me deu problemas, parce que ma compagnie d'assurance, porque minha companhia de seguros, ne voulait pas me croire, não queria acreditar em mim, et elle refusait de payer, ela se recusava a pagar. Heureusement, felizmente, une vieille dame a tout vu. Uma senhora viu tudo. Et elle a dit à la compagnie d'assurance, ela disse à companhia de seguros, que je n'étais pas responsable de l'accident. Que eu não era responsável pelo acidente. Elle m'a vraiment enlevé une épine du pied. Ela realmente tirou um espinho do meu pé. Pour la remercier, para agradecê-la, je l'ai invité au restaurant. Eu a convidei para ir a um restaurante. C'est normal, normal. Cette dame m'a vraiment délivré de mes inquiétudes. Essa senhora realmente me livrou das minhas inquietudes et a résolu mon problème. Resolveu meu problema. Então, tirar o espinho do pé de alguém é tirar alguém de uma enrascada, de um problemão. D'accord? Vamos escutar essa historinha de novo e a gente se vê amanhã. Il y a un mois, j'ai eu un accident avec un autre automobiliste. Il ne s'est pas arrêté au stop et il m'est rentré dedans. Mais il s'est enfui et je n'ai pas eu le réflexe de noter son numéro d'immatriculation. Cela m'a posé des problèmes parce que ma compagnie d'assurance ne voulait pas me croire et elle refusait de payer. Heureusement, une vieille dame a tout vu et elle a dit à la compagnie d'assurance que je n'étais pas responsable de l'accident. Elle m'a vraiment enlevé une épine du pied. Pour la remercier, je l'ai invitée au restaurant. C'est normal. Cette dame m'a vraiment délivré de mes inquiétudes et a résolu mon problème. Madame Perron est très satisfaite de Mademoiselle Achard, la prof de maths de son fils. Elle m'a parlé de cette enseignante pendant 10 minutes et elle n'a pas arrêté de lui jeter des fleurs. Mademoiselle Achard est, semble-t-il, une excellente pédagogue et elle a un bon contact avec les jeunes enfants. En tout cas, Madame Perron fait l'éloge de ce professeur et dit que c'est une personne pleine de qualités. Vamos lá. Madame Perron, a senhora Perron, est très satisfaite de Mademoiselle Achard. Está muito satisfeita com, olha só, satisfaite de, a preposição aqui é de, Mademoiselle Achard, la prof de maths de son fils, a professora de matemática do seu filho. Elle m'a parlé de cette enseignante. Ela me falou dessa professora pendant 6 minutes, durante 6 minutos, et elle n'a pas arrêté de lui jeter des fleurs. Ela não parou de jogar-lhe flores. Mademoiselle Achard est, a senhorita Achard est, semble-t-il, parece,
une excellente pédagogue, une excellente pédagogue, et elle a un bon contact avec les jeunes enfants. Elle a un bon contact avec les crianças pequenas. En tout cas, en tout cas, Madame Perron fait l'éloge, elle fait l'éloge de ce professeur et dit que c'est une personne pleine de qualités. Et dit que c'est une personne cheia de qualités. Donc, jeter des fleurs à quelqu'un est você elogiar muito uma pessoa. D'accord? Vamos escutar essa historinha de novo e amanhã a gente volta. Madame Perron est très satisfaite de Mademoiselle Achard, la prof de maths de son fils. Elle m'a parlé de cette enseignante pendant 10 minutes et elle n'a pas arrêté de lui jeter des fleurs. Mademoiselle Achard est, semble-t-il, une excellente pédagogue et elle a un bon contact avec les jeunes enfants. En tout cas, Madame Perron fait l'éloge de ce professeur et dit que c'est une personne pleine de qualités. 10h30. Alors Hervé, où cours-tu comme ça? Je vais voir le président directeur général pour lui annoncer une grande nouvelle. Les Japonais ont signé le contrat pour l'usine de Marseille. Bravo! 11h. Alors Hervé, comment ça s'est passé avec le PDG? Il était content de toi? Ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Denis Boulanger est arrivé 30 secondes avant moi et il m'a coupé l'herbe sous le pied. C'est lui qui a annoncé la nouvelle au PDG. Effectivement, ce n'était pas très gentil de la part de Denis Boulanger de te frustrer de l'avantage d'annoncer la nouvelle. Et temos aqui 10h30. Alors Hervé, então Hervé, où cours-tu comme ça? Para onde você está correndo assim? Je vais voir le président directeur général. Eu vou ver o presidente diretor geral pour lui annoncer une grande nouvelle. Para lhe anunciar, para contar para ele uma grande novidade. Les Japonais ont signé le contrat pour l'usine de Marseille. Os japoneses assinaram o contrato para a usina de Marseille. Bravo, muito bem. Aí, 11h, às 11h. Alors Hervé, comment ça s'est passé avec le PDG, qui est le président directeur général? Donc, comment que foi? Il était content de toi? Il ficou contente com você? Ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Isso não aconteceu exatamente como eu tinha previsto. Denis Boulanger est arrivé 30 secondes avant moi. Ele chegou 30 segundos antes do que eu. Et il m'a coupé l'herbe sous le pied. Ele cortou a grama debaixo do meu pé. C'est lui qui a annoncé la nouvelle au PDG. Foi ele que deu a novidade ao PDG. Effectivement, realmente, ce n'était pas très gentil de la part de Denis Boulanger. Não foi muito gentil da parte do Denis Boulanger de te frustrer de l'avantage d'annoncer la nouvelle, de te tirar a vantagem de anunciar essa novidade. Então, couper l'herbe sous le pied de quelqu'un é você passar uma rasteira, você fazer alguma coisa antes que alguém, para o seu próprio proveito ou para prejudicar alguém, d'accord? Então, esse nosso último vídeo do Veda agora em abril e você vai escutar esses diálogos aí mais uma vez e a gente se vê em breve. 10h30. Alors Hervé, où cours-tu comme ça? Je vais voir le président directeur général pour lui annoncer une grande nouvelle. Les Japonais ont signé le contrat pour l'usine de Marseille. Bravo! 11h. Alors Hervé, comment ça s'est passé avec le PDG? Il était content de toi? Ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Denis Boulanger est arrivé 30 secondes avant moi et il m'a coupé l'herbe sous le pied. C'est lui qui a annoncé la nouvelle au PDG. Effectivement, ce n'était pas très gentil de la part de Denis Boulanger de te frustrer de l'avantage d'annoncer la nouvelle.